Oui, ouais, non, je te laisse, ouais, je suis en train de faire une fausse mise en scène pour le début de soirée, nana. Ouais, salut. Je me mets en mode avion. Salut. Est-ce que vous voulez regarder Les Aventuriers du Système Solaire? Oh oui, très oui. Joli. Ah. Est-ce qu'il laisse une vraie question? Avec plaisir. Bah vous n'avez pas le choix, c'est celui que j'ai choisi. Ah, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé? C'est un dessin animé. Et surtout, c'est déjà extrêmement long. Rick Astley. C'est très proche de Rick Astley. À tout moment, le film, c'est juste un générique. Genre gigantesque. C'est la deuxième chanson qui commence là, on est d'accord. Oh! C'est pas un dessin animé. C'est pas un dessin animé. C'est pas un dessin animé. Incroyable. Le professeur arrive. Ah, bonjour tout le monde. Professeur, pourquoi nous attaque-t-il? Qu'est-ce qu'ils aiment? Il a 37 ans. On disait Hitchcock, le maître du suspense, mais là quand même on est pas mal. Hein. Je pense qu'il y a une passion pour les plans très longs chez ce réalisateur. Non mais on est censé voir un truc. Il y a un mec qui balaye. J'ai jamais vu un mec balayant aussi effrayant. Non, mais... Avec ouais. Cette musique... Qui êtes-vous? Des bandits? Tais-toi, vermine! Oh, j'espère qu'il va leur tirer dessus. Elle a du ketchup plein la bouche. Elle est morte. Ah, fais gaffe, tu joues mieux que lui. C'est un jeu qu'on va avoir les sourcils froncés tout le long du film, ça. Ouais. Oh, Foucault! Foucault, que s'est-il c'est passé? Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Ah bon? Allô? Ah. Ici la sécurité du secteur Chunchang. Ça se passe donc à Chunchang? Oh. Oh. On peut juste se souvenir que tout à l'heure, pour un mec qui balayait, ils ont mis la musique la plus flippante du monde. Et là, il y a quand même une alarme. Et ils mettent une trompette. Sur la boule. On va à la guerre et prenez vos armes. Les calachalets. Madame, est-ce qu'on va attraper quelque chose? Aucun César. Tu vas attraper aucun César, en tout cas. Il arrive tellement lentement. Salut, alors, ça mord? Ça ne marche pas du tout. Il y a guère de poisson là-dedans. Oui, c'est mieux que rien, hein. Bah non, c'est... Il y a rien, donc non. Il y a pas de poisson, c'est mieux que rien. Non, je suis pas sûr. Madame, pensez-vous que les communistes vont venir? Je ne sais pas. Il faut que nous soyons... C'est interminable. Je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir une apparition de vaisseau spatial. Est-ce que vous êtes tous prêts à voir cette entrée de champ? Ah oui, parce que le système solaire, pour l'instant, on est un peu... Oui, là, on est plus dans une école de Cambodge. C'est marrant, c'est bon. Oui. Ah, donc... Incroyable. Mais ils avaient oublié des plans avec les comédiens, donc ils ont dû les dessiner. Ouais. Est-ce qu'on est tous d'accord aussi que les dessins de gens, ces gens ont 27 ans? Alors que les comédiens avaient 8 ans. Oh, oh. Oh là. Oh oui, nous avons atterri en catastrophe. C'est Valérian et Laureline. Ah. Cela dit, c'est mieux que le film de Besson, donc. Je vois pas où est le problème. Et vous êtes arrivé à vous échapper? On peut tous se rappeler que tous les comédiens étaient asiatiques. C'est vrai. Richard Gauthier. On sait pas la Java. Monsieur le Président, nous essayons de réunifier le pays, mais cela semble difficile. Vous allez y aboutir, il n'y aura aucun problème. Tant juste pour il a un bourrelet de coups derrière lui. Oh là là, mais il y a un kyste. Qu'en pensez-vous alors? Ils font des essais nucléaires là en fait. Ça reste un sujet actuel finalement. Ça n'a pas pris une ride. Il n'y a plus rien qui pourra nous empêcher de gagner maintenant. Sauf mon kyste. Ouais, mon énorme kyste. C'est une urgence, qu'allons-nous faire? C'est une urgence. C'est... Il y a un mec transparent. Il y a un mec transparent dans l'arbre. Ils vont jamais se rattraper. Avec de nouveau musique. Ouais, il y a zéro musique grave. Nous allons nous servir du métal.
mal pour construire notre propre robot. Oui, monsieur. Même les martiens ont des problèmes de calvitie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Général, vos pertes sont très importantes. Comment allez-vous m'expliquer ce carnage? Où se trouvent les intrus? Dans mon bourrelet. Je te promets qu'aujourd'hui sera ton dernier jour d'existence. Le point disparaît. Mais non. C'est batterie. Tu ne sais pas jouer. Tu ne sais pas jouer de la percussion. Je te conseille d'être très vigilant. À vos ordres, capitaine. Je te conseille d'être vigilant. J'en ferai bon augure. Vous êtes bien aimable. Personne ne m'a jamais parlé ainsi. Il y a une crotte de nez. Bien, fouettez-le un petit peu. Un tantinet de spectacle. Frappez-le, mais de manière mesurée. Tout est calme, rien à signaler. Rien à signaler. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui clignote? Alors, il y a deux voix. Il y a la voix inspirée. Et la voix comme ça. Je pense qu'à partir de ces deux voix, on peut tout faire. C'est vraiment systématique. Dès qu'il y a une musique, on s'emmerde, quoi. Comme il y en a depuis le début. Il reste une heure de film. Hein. Non, l'hiver. Oh, ton regard. La détresse, quoi. Quoi. En formation. Ah. En formation. C'est un appareil photo géant. Oui, mais oui. Wow. C'est un Konica. Ah, on l'a déjà vu, ce plan. Hop, bah nous, on l'a déjà vu aussi. Oui, aussi. C'est les mêmes plans. Tu veux dire que la brigade entière a été détruite? Oui, ils ont tous été détruits par un robot qu'on a pris pour un morceau de déchet au premier abord, quoi. Le temps de se retourner, si tu veux. Un morceau de déchet. Attendez, mais c'est un morceau de déchet? Ah non, c'est un roman. Et si tout ça n'était qu'un rêve? Dans la tente, depuis le début. Je pense que tu as vraiment raison. T'as tellement sans raison. Sans transition. Qu'est-ce que... C'est surbruité, ce poulet qui crie. Regarde. Ah, donc c'était bien ça. Ah, mais tout ça n'était qu'un rêve. Je comprends. Le petit déjeuner prêt, les enfants. Oh, ce n'était qu'un mauvais rêve. Et on est d'accord qu'ils ont filmé ça toute la journée. Et que là, c'est le soir et ils se sont dit merde, on n'a pas fait le plan de là où ils marchent. Ah, bah, clairement. Clairement, la nuit est tombée. Sandra Goya. Plan ça, c'est la fin. 5, 4, trop vite. 3. Trop vite. Trop vite. Oh, je vais applaudir un petit peu. Prenons le temps de digérer tout ça. Ah oui, tu proposes qu'on débriefe. Je suis un peu chamboulée. Bah moi, c'est cette allégorie du communisme qui m'a bouffé tout le long du film. Et moi, c'est tout l'épilogue. Dans quel pays ça se passe, déjà? Bah, à Ching Chong. Quand même, ce qui m'a bouleversée, c'est la petite Cindy qui meurt au début. Ah oui, parce qu'on lui a demandé son chemin. C'est vrai que ça commence par un mec qui se fait tabasser. Par les bornies. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de générique, The End. Pas de générique. Mais on a eu au début. Pardon. Tu veux parler des 25 premières minutes? Merci d'avoir regardé Soirée Nanar. On a appris après visionnage que c'était un film de propagande sud-coréenne et que le bourrelet de cou était en fait la véritable tumeur du leader de la Corée du Nord de l'époque. C'était pas si drôle en fait. Balance-nous ton nanar préféré en commentaire. Allez, salut, à la prochaine, abonne-toi, tout ça. Philippe! Abonne-toi, enculé! Ta gueule! Jamais, sale enculé! Salaud!